Bonjour à tous, lundi matin 9h, bravo aux courageux. Je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le magazine en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, économiques et professionnels. Bienvenue donc, je vous rappelle le principe d'achatpublic.info, les Jedi de la commande publique, Mathieu et Étienne aussi, bonjour, que je salue, qui sont lundi matin un bon pied bon oeil, interrogent une personnalité éminente, agissante au bon sens du terme, de l'achat public. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle beaucoup de clause sociale, nous avons le plaisir, et je le remercie sincèrement de venir aussitôt, d'accueillir Patrick Loquet. Bonjour à vous. Que l'on appelle aussi, que l'on appelle toujours encore le Robin des Bois des clauses sociales, qui a donc une expérience sur les clauses sociales. Et au moment où les clauses sociales, c'est plus un gadget, on ne parle que de ça, je pense que c'était bon de vous entendre, Patrick, en tant que Robin des Bois. D'accord. Venez nous dire si vous êtes définitivement sorti de la forêt de Sherwood. Et peut-être pour commencer, Patrick, dites-nous, on vous appelle le Robin des Bois des clauses sociales, comment vous le recevez? Est-ce que c'est cœur de cible? Est-ce que c'est... Oui, non, je le reçois toujours très bien parce que c'était... Le Robin des Bois, d'abord, je le dois à Achat Public parce que c'est une de vos collègues qui, en 2005, avait fait un article où elle m'avait qualifié de Robin des Bois de la commande publique. Et en fait, son article était inspiré du fait qu'à ce moment-là, j'étais un peu en résistance contre la pensée juridique dominante. Moi qui croyais beaucoup aux clauses sociales et aux critères sociaux, je me heurtais à la doctrine juridique majoritaire qui n'était pas très favorable à ça. Et je cite toujours l'exemple de mon ami et collègue, je ne sais pas s'il m'entend, mais je crois qu'il ne doit pas être loin, Florent Linditch, qui avait fait un papier dans sa revue juriste. L'article était intitulé « Au secours, le critère social revient ». Ouais. Donc c'était pour donner la tendance, d'où l'article et d'où je crois son idée de m'avoir qualifié de Robin des Bois. Et je conclurai, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Marc, aujourd'hui il y a des facilitateurs qui ont changé mon appellation et qui m'appellent maintenant Maître Yoda. Tu parlais des John Jedi. Voilà. Alors il y a des Jedi facilitateurs, il y a des princesses Leila facilitatrices également, qui font ça régulièrement. Donc voilà, avec le temps, l'âge et l'expérience, Maître Yoda, c'est plus calme qu'à Robin des Bois. D'accord. Est-ce qu'une bonne clause sociale, selon vous ? Une bonne clause sociale, pour moi, c'est une clause sociale qui dit son nom. Je m'en explique, c'est-à-dire que la clause sociale, quand on dit clause sociale, on parle depuis très longtemps de la clause sociale d'insertion, qui est une simple condition d'exécution du marché. On dit aux entreprises, si vous gagnez le marché, vous devrez faire des heures d'insertion. Cette clause-là, moi je l'ai vue naître, elle a 30 ans aujourd'hui. C'est une bonne clause sociale, la clause sociale d'insertion, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et il faut aller vers d'autres types de considérations sociales. Il faut aller vers le marché réservé, il faut effectivement aller vers le critère social. Donc c'est bien, il faut continuer, mais il faut se diversifier, il faut aller plus loin. Et est-ce qu'une clause sociale, ça se résume uniquement à des clauses d'insertion? Non, justement. La clause sociale, c'est pour ça que je précise clause sociale d'insertion, parce qu'on peut faire des clauses sociales tout court. Le code de la commande publique autorise aujourd'hui, on peut s'intéresser aux conditions de travail des salariés. C'est une clause sociale au sens conditions de travail. Moi, j'ai imaginé une autre clause sociale, une clause de promotion de l'emploi. Je l'appelle comme ça parce que la clause sociale d'insertion, elle a comme particularité de créer un emploi pour quelqu'un. Elle se caractérise par un contrat de travail. Et depuis 30 ans, on close les travaux, les services, mais on ne close pas les fournitures. Parce qu'un marché de fourniture, le fournisseur ne fournit pas, n'a pas de production d'heures. Oui. Donc ça fait 30 ans qu'on laisse tranquille les entreprises qui quand même collectent 40 milliards d'euros tous les ans. Et moi je pense qu'on devrait aussi les mobiliser pour l'insertion et l'emploi. Donc je préconise actuellement, je la mets en service dans différents territoires, une clause de promotion de l'emploi où on dit aux fournisseurs, bah, écoutez, vous allez me vendre des voitures, là, vous allez me vendre des voitures, bah, en contrepartie, est-ce que vous pourriez me prendre un jeune de mission locale en stage, ou est-ce que vous pourriez participer à un job dating, ou est-ce que vous pourriez faire du parrainage, ou est-ce que vous pourriez faire, etc., des choses comme cela. Moi, par exemple, je leur dis, est-ce que vous accepteriez de faire un achat local? Est-ce que vous accepteriez de faire un achat, une structure d'insertion? Donc la clause de promotion de l'emploi, je la distingue de la clause sociale d'insertion au sens où je ne peux pas créer un contrat de travail puisque je n'ai pas de production d'emploi.
Je t'en prie, Mathieu. Est-ce que l'acheteur ne va pas au-delà de ses obligations? Est-ce que l'acheteur peut imposer ce type d'obligation à des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ou même une atteinte au principe de la liberté d'entreprendre? Non, je pense que moi j'ai toujours eu le souci. Hein, on est juriste, donc on sait que lorsqu'on fait des marchés publics, on a trois grands principes à respecter. On doit respecter la transparence, l'égalité de traitement et la publicité. Bon. À partir de là, comme il n'y a aucune réglementation, hein, on en a parlé tout à l'heure avant l'émission, il n'y a aucune réglementation sur les clauses sociales, il n'y a pas de texte, on a une grande liberté de proposer aux acheteurs des solutions. Il serait temps d'imaginer, il serait temps de... Le problème de la clause sociale d'insertion, telle qu'on la pratique, c'est que l'entreprise n'a pas de capacité d'innovation en quelque sorte. Elle fait des heures d'insertion. Et donc peut-être qu'il faut trouver, tant qu'on respecte les principes d'égalité, tant qu'on ne triche pas, tant qu'on ne met pas en cause l'égalité de traitement des entreprises, je pense qu'on peut imaginer des choses nouvelles. Mais est-ce qu'on est en train de péter complètement le fil, hein, parce que c'est passionnant de vous écouter, est-ce qu'on n'est pas aussi vers une tendance à coupler par exemple une clause sociale qui serait en fait rattachée par rapport à l'entreprise à des obligations en matière de RSE? Quand vous disiez, vous parlez de, en fait, des marchés de fourniture, ils sont pas trop bien closés. Pour l'instant, on les laisse tranquilles, on n'y touche pas. Mais on pourrait pas exiger dans le cadre d'une clause sociale en disant, on veut vérifier que votre démarche RSE, elle est hyperactive, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un couplage clause sociale et responsabilité des entreprises? À partir du moment, si le couplage, il va exister, mais c'est là, il faut changer de registre. Tant qu'on est dans l'idée d'une clause sociale d'insertion. Voilà, c'est compliqué de faire autre chose que de l'heure. Moi, je trouve que la limite de la clause, ce qui me gêne depuis 30 ans, il fallait le faire. On a bien avancé, on a fait plein de choses. On a avancé, on n'a pas eu de contentieux. Mais aujourd'hui, une entreprise, dans le fond, qui fait bien son travail, elle se retourne vers nous et elle dit que ça me donne droit à quoi? À rien. Ouais. À tout mes remerciements. Au marché, peut-être. Oui, au marché. Mais que vous soyez voyou ou caricature ou citoyen. Donc, je pense que l'idée d'aller vers un critère RSE, c'est l'étape de demain. Il faut vraiment faire en sorte de valoriser l'entreprise citoyenne, celle qui met un point d'honneur à faire du contrat d'apprentissage, celle qui fait un point d'honneur à faire des formations de qualité. Ça, aujourd'hui, dans une clause sociale, ça peut se faire dans une clause sociale d'insertion, mais c'est quand même pas la règle. Et aller vers le critère social, le critère RSE dont tu parles, oui, ça commence, hein, c'est déjà en partie là dans la jurisprudence européenne, ça commence à émerger dans la jurisprudence française, oui, c'est le pari de demain. Mmh. Donc la clause qui a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on fait des clauses quand même, hein. Ouais. Ce serait bien d'aller un peu au-delà, ce serait bien de développer des marchés réservés, ce serait bien de faire du critère social. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui devrait être faite. Mmh. Est-ce que selon vous, avec la loi climat et résilience qui va imposer à partir d'août 2026, l'obligation de prévoir une clause prenant en compte des considérations sociales, est-ce que selon vous, la clause sociale va évoluer dans ce sens-là? Est-ce que les acheteurs vont devoir innover pour pouvoir répondre à cette obligation? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre la loi pour ça. La loi nous dit que, sous des conditions d'ailleurs un peu draconienne, il y a tellement de conditions qu'on se demande si les exceptions prévues par la loi ne vont pas ruiner le principe de la rendre obligatoire pour les marchés supérieurs au seuil d'appel d'offres. Enfin, moi, je suis un peu inquiet, là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la clause sociale, nos acheteurs, ils doivent aussi faire de l'environnement. Donc, on charge la barque énormément actuellement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la loi. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie réflexion chez nos acheteurs. On fait de l'insertion, c'est bien, mais essayons de vérifier si on ne peut pas faire un peu de marché. Il y a un vrai scandale sur les marchés réservés. Ça fait les marchés réservés handicap, c'est depuis 2005. Ça fait 20 ans. Regardez les chiffres, ils sont dérisoires. Alors, si les marchés insertion réservés ont le même sort, c'est dramatique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience du fait qu'on peut foutre un peu la paix aux entreprises en faisant des marchés réservés. On va chercher l'insertion, le handicap. Mais ça demande du temps, ça demande une volonté politique. Mettre en place un critère social, un exemple très concret. Est-ce qu'il faut continuer à faire une clause sociale d'insertion sur les marchés de nettoyage où on nous dit parfois « vous faites de la précarité sur de la précarité » ou est-ce qu'il vaut mieux pas s'interroger sur l'entreprise qui prend soin des salariés? Je suis maire,
Je peux très bien demander à l'entreprise qui va nettoyer mes locaux de faire en sorte que les salariés qui nettoient mes locaux sont pris en charge. On fasse une formation des troubles musculo-squelettiques, qu'on veille au bien-être social des salariés. Ce type de questions-là, je pense qu'il faut se les poser. Je pense que... Et puis, ce sera quand même, ça donnera un coup de fouet au métier, quoi. Faire des clauses, c'est bien, on sait les faire, on est content, on aligne les zéros, mais il faut aller au-delà. On parle Spazer. On parle Spazer. Le Spazer, c'est un super vecteur, non? Ou ça l'a été, ou... Le Spazer, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Le Spazer, ça peut être un super vecteur, parce que moi, je répète, mon obsession aujourd'hui, c'est de dire, faisons des clauses, oui. Faisons des marchés réservés, il est temps d'en faire, on est en retard. Développons le critère RSE, oui. Le Spazer peut servir à ça. Le Spazer peut être un merveilleux outil de réflexion pour faire de la stratégie d'achat responsable. Sachant qu'il faudra à côté faire de l'environnement, hein, donc la barque est chargée. À condition, j'allais dire, d'être en circuit court pour le Spazer, c'est-à-dire de le faire soi-même. À condition que... Alors ça veut dire quoi ça? Le circuit court, ça veut dire qu'il faut... je suis consultant. Donc, je vais pas médire sur ma profession, mais il faut vraiment qu'un spazer soit un consultant. Il doit pas rapporter le poisson, il doit apprendre à pêcher, quoi. C'est-à-dire que il y a des spazers clés en main qui sont délivrés. Il y a des spazers clés en main qui sont délivrés, qui vaudrait mieux ne pas faire, quoi. On les fait, on est content, on le range dans le placard, et puis donc voilà. Mais ça peut être un bel outil à la condition, mais ça prend du temps. Hein. Ça suppose de mobiliser l'ensemble de celles et de ceux qui, dans une collectivité, chez un acheteur, passent des marchés. Ça prend du temps. Bah, c'est l'objet principal du spazer en réalité. Et oui. Et je trouve que ça donne au métier des acheteurs, ça donne au métier des juristes, ça donne au métier de la commande publique la réflexion sur, dans le fond, je fais une parenthèse, moi, il y a encore, quand j'enseignais le droit des marchés, quand même, c'est pas si vieux que ça, avant 2000, j'ai retrouvé mes cours, j'expliquais aux étudiants que c'était un acte économique, point à la ligne, quoi. C'était fou, ça fait 20 ans. Ouais. Et depuis, on nous dit « Ah oui, mais il n'y a pas que ça, il y a de l'environnement, il y a du social. » Faudrait qu'on arrête de charger la barque, il faudrait le temps de faire un peu une pause, il faudrait qu'on se donne des objectifs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'arrêté de 2022, il est bien. Il y a un arrêté qui dit aux collectivités « Vous devez envoyer vos données essentielles ». L'arrêté parle de considération sociale. Mmh. Et l'arrêté dit « Vous avez trois types de considération sociale. La clause sociale d'insertion. » Bon, on continue à en faire, c'est pas mal, hein, c'est utile. Les marchés réservés et le critère RSE. Je pense que là, il y a une réflexion à avoir. Les spazers, mais il n'y a pas que le spazer, on peut réfléchir à ça. Moi, je trouve que ce qui manque, et c'est, après je vais m'arrêter, mais ce qui manque chez nos acheteurs, c'est un comité de pilotage de l'achat responsable. Un comité de pilotage, c'est-à-dire qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On fait des clauses, on fait des clauses dans les marchés de services, on fait des marchés réservés pour le handicap, pour l'insertion, on met en place un critère social. Les collectivités qui le font quand même. Quelques-unes, non, écoute Jean-Marc, moi j'étais très surpris. Il n'y a pas vraiment beaucoup de collectivités qui ont en place un comité de pilotage, piloté par un vice-président ou piloté par un adjoint au maire avec un DGA, qui se statue, qui, tu vois, il y a des revues de projet, c'est vrai. Mais la notion de comité de pilotage, elle n'est pas aussi fréquente que ça. D'accord. Contrairement à ce que tu penses. Et comme vous l'avez évoqué, donc, les acheteurs publics doivent prendre en compte aussi l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait un comité sur l'environnement, un comité sur le social. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas un comité qui fasse les deux? Il faudrait répartir un peu ces deux obligations. On peut imaginer les deux, d'autant plus que le critère RSE, qui est en train d'émerger, hein, on en a parlé, Mathieu, tous les deux, quand on a parlé de l'arrêt du tribunal de l'Union européenne, où il y a 30% des points du marché sur le critère RSE, 70% sur le prix, et les 30% du critère RSE sont divisés en 10 indicateurs, 5 sur le social et 5 sur l'environnement. Et c'est vrai que c'est là. Mais il y a une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les facilitateurs, profession que j'aime et que j'ai contribué, je crois, à faire émerger dans les années 2000, et puis j'ai un fils qui fait ce métier, en plus. Attention au conflit d'intérêts. Je suis en conflit d'intérêts, voilà. Et je crois que, bon, pour l'instant, ils sont dans le social, c'est compliqué de tout faire à la fois. Et ce ne sera pas du tout la même stratégie. Dans l'environnement, on ne peut pas être omniscient. On est environnement déchets, environnement bâtiment, environnement, etc. La clause sociale, elle est transversale. Dans l'environnement, ce sera plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là à prendre en charge. On ne pourra pas tout faire, mais c'est vrai que penser les deux, c'est bien.
Pour parler un peu de l'autre côté, côté fournisseur, comment on peut les persuader ou les aider, ces fournisseurs, à répondre à des marchés closés? Bah, moi, je crois que les fournisseurs, je vais être provocant, mais ils n'ont pas à être persuadés puisqu'on leur impose. Et donc, ils n'ont pas trop le choix. Et pendant très longtemps, au début, entre 2000 et 2005, à l'époque où il fallait développer la clause, moi, j'ai vécu quand même cette on n'a pas le temps, hein, mais entre 1995 et 2000, on rame. En 2001, Jospin dit « la clause, c'est légal, maintenant, on peut y aller ». On rame encore beaucoup. Et il faut convaincre que ça peut être utile, et on y est arrivé. On a réussi à faire en sorte qu'en inventant le métier de facilitateur, qu'on appelait au début modestement chargé de mission clause sociale, c'est Jean-Baptiste de Foucault, hein, qui est un inspecteur général des finances, qui a trouvé le nom de facilitateur des clauses sociales. Lorsqu'on a créé ce métier, on a réussi à transformer la contrainte. Ils l'ont tous vécu au début comme une contrainte, hein, persuadés, non, ils le faisaient parce qu'il fallait le faire, quoi. Et on a transformé la contrainte en offre de service. À partir du moment, moi, 30 ans d'activité dans les clauses m'ont convaincu d'une chose, c'est que les entreprises françaises sont plutôt citoyennes. Elles jouent plutôt bien le jeu, à la condition de choses, d'être accompagnées. Il faut un service, et c'est à ça que sert le métier de facilitateur et de facilitatrice. Deuxième chose, d'être raisonnable. Quand on va trop loin dans les pourcentages d'insertion, à mon avis, c'est dangereux, quoi. Il faut être raisonnable. Moi, j'ai toujours défendu une clause à 5%, de manière, et si on est bon dans le service, les entreprises vont plus loin. Voilà. Donc, persuader, non. Par contre, il faudrait continuer à persuader certains acheteurs de faire des clauses, pour certains, de se diversifier pour d'autres. Donc là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On a vraiment, croyez-moi, hein, les marchés réservés, c'est faire travailler des structures qui accueillent des personnes dont personne ne veut. Les ESAT, les EA, les chantiers d'insertion, si les gens ne sont pas là, ils sont nulle part. Et on ne va pas les chercher. Et on n'est pas foutu de réserver une partie de la commande publique pour ces structures-là. C'est pas normal. Et pourquoi les marchés réservés, ça ne fonctionne pas du coup ? Ben, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. C'est-à-dire que, un, les gens ont peur. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. On leur dit insertion, handicap, oui, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps, mec, mais il y a des gens au chômage, prends le temps de le faire. Toi, tu es fonctionnaire, tu as un boulot, donc tu peux t'occuper des autres. Donc il y a ça, ils savent pas, ils connaissent pas la réalité. Et quand vous les emmenez, ce que je fais, aujourd'hui, je ne fais plus une formation sans emmener les gens sur place, ils se rendent compte qu'il y a un potentiel. Quand on emmène des acheteurs dans un ESAT ou dans un chantier, bah, ils ne sortent pas les mêmes que lorsqu'ils... À partir de là, on peut les amener à en faire. Et puis, il faut que nos juristes, nos commandes publiques, arrêtent de considérer que lorsqu'on bosse avec le handicap et l'insertion, c'est comme si on bossait avec Bouygues, Vinci et Fage. Ce n'est pas les mêmes, quoi. Il y a des méthodes de travail qu'il faut adapter. Donc, l'échec, il est là. Est-ce que ça vient des juristes ou est-ce aussi des services prescripteurs? Les deux. Les deux parce qu'il y a une réticence. Les deux. J'ai le sentiment que... Aujourd'hui, la principale réticence, elle est plutôt du côté des prescripteurs. J'ai le sentiment que parce que quand même, on est juriste, on va quand même plaider pour la corporation, mais oui. J'ai toujours en plaisantant qu'il y ait deux catégories de juristes, ceux qui créent les problèmes et ceux qui cherchent à les résoudre. Alors, tout dépend de savoir dans quelle catégorie on se place. Moi, j'ai toujours aimé me placer du côté de ceux qui cherchent à les résoudre, mais je pense qu'il y a des progrès à faire du côté des services de la commande publique pour comprendre qu'on ne traite pas un marché réservé comme un marché normal. Il est, par définition, il est discriminatoire, puisque les autres ne peuvent pas venir. Donc il faut aller les voir. Il y a une réalité simple que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si je suis un ESAT ou si je suis un chantier d'insertion, je ne maîtrise pas mon personnel. L'État me dit en début d'année, t'as tant d'agents, t'en auras pas plus. Donc si on ne va pas les voir avant pour faire du sourcing un peu approfondi, on ne peut pas y arriver. Donc il y a la commande publique doit comprendre ça, et puis nos acheteurs doivent considérer qu'on peut être dans l'insertion et dans le handicap et bien bosser, ce n'est pas gagné non plus, mais là il y a vraiment un gros effort à faire. Dernière question, vite fait, est-ce qu'on peut considérer le marché réservé aussi comme de l'innovation si la personne publique n'en a jamais fait comme ça, que c'est le dernier peut utiliser le dispositif des marchés innovants? Ah oui, alors là, moi si je suis un juriste dans une collectivité, je pense que j'aurais un plaisir fou à travailler sur la notion de marché innovant, quoi. Un marché réservé rentrerait selon vous dans les critères? On pourrait effectivement, pour profiter du seuil de 100 000 euros si tu veux, puisque un marché innovant est à 100 000 euros, ça peut être utile. Mais déjà le marché réservé en tant que tel,
Il est utile pour une autre raison qu'il faut, je crois que les facilitateurs le savent, le marché réservé, quand on fait des clauses, les entreprises sont citoyennes. Mmh. Il y a quand même une condition. J'ai bien compris, monsieur le facilitateur, que vous allez me proposer quelqu'un qui n'est pas bien formé, pas bien qualifié. Oui, c'est le deal. Mais quand même, il vient tous les jours, il est à l'heure. Sinon, je ne peux pas. Ouais. Et pour les gens qui ne peuvent pas arriver tous les jours et à l'heure ou que le privé ne peut pas prendre, il y a le marché réservé. Alors, si on cumule, si tu veux, le marché réservé, oui, ce serait intéressant de... L'innovation, je ne sais pas, enfin, on est entre nous, on n'a pas le temps, mais le guide qui a été publié sur ce qu'est le marché innovant, on peut innover dans tous les sens. Ça peut être le process, le produit qu'on achète. Oui, c'est une piste. Mais le marché réservé est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Et aujourd'hui, dernier mot pour dire que moi, j'ai inventé un label de la commande publique et j'ai inventé un gold label parce que je voudrais récompenser les entreprises qui font bien leur boulot. Et si aujourd'hui, il y a des entreprises qui spontanément, sans qu'on les contraigne, font des choses bien. Je fais de l'apprentissage, je fais de la formation, je prends des seniors, je prends des femmes, je prends un stagiaire, mais je l'embauche à la sortie. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut récompenser ces entreprises-là. Mais c'est pas à l'acheteur public de le faire. Il peut le faire, pourquoi pas. S'il constate que ses fournisseurs, dans ses fournisseurs, il y a des entreprises qui se comportent vraiment très bien. Les valoriser. Pourquoi ce serait intéressant de les valoriser? Parce qu'on se rend compte que des entreprises spontanément le font. Et si on fait ça, je pense qu'on pourra passer progressivement vers le critère social. Ça serait l'équivalent des certificats de bonne exécution. Si tu veux. De très très bonne exécution, de très très bonne exécution à considération sociale. C'est ça. Tu as fait ta clause, c'est bien. Tu as fait ton job, tu as fait tes heures. Tu t'es pas cassé la tête, mais tu as fait tes heures. Mais toi, tu as fait de l'apprentissage, tu as fait du contrat de pro, tu as fait de la formation. Ah, c'est pas mal quand même. Si on valorise ça, on va faire comprendre progressivement qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à faire plus que d'autres. Donc on peut aller vers le critère social. Mmh. On peut attribuer des points à l'entreprise qui s'engage un peu plus que les autres. Et ça permettrait de mettre fin à cette situation où, quel que soit l'engagement, c'est le même prix. De toute façon, on n'en tient pas compte pour attribuer le marché. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Maître Yoda. Il a évolué depuis Robin des Poirots. Je salue tous les Jedi qui peuvent nous regarder. Alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et les princesses Leila, parce que sinon, je vais être sexiste. Oui, il faut faire attention. Merci à tous. Je vous rappelle juste qu'en ce moment, achatpublic.com s'est allié avec Alliance Ville Emploi. Et on publie, c'est téléchargeable sur le site achatpublic.com, le cahier des facilitateurs de clauses sociales en plusieurs volets. On en est au troisième, je crois. Ouais. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, j'espère qu'elle a bien commencé en compagnie de Patrick Loquet, et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain achat public invite. À bientôt, merci, au revoir.